Notre métier, il comprend trois, quatre facettes principales. C'est premièrement de connaître les milieux naturels, la faune sauvage, la flore, ses habitats. Ensuite, de faire partager ses connaissances au plus grand nombre. Donc, ça va être le grand public qui vient visiter les écrins, mais également toutes les écoles et scolaires qui sont présentes sur le massif. On a également une mission de surveillance, de police. On s'assure que l'espace naturel est bien préservé. Et puis enfin, on accompagne également les communes dans leur développement, qu'ils soient touristiques, économiques, l'aménagement du territoire. Tous les tournages sur la faune sauvage en général nécessitent d'être très patient parce qu'il faut énormément d'heures d'observation. Mais en gros, ça se traduit par aller sur site, souvent c'est quelques heures de marche pour approcher, et ensuite de très longues heures d'affût. Donc souvent, nous, les gardes-moniteurs, on indique quelques situations intéressantes pour des réalisateurs, on leur donne quelques informations et ensuite, eux vont passer des heures d'affût. Alors, on parle d'espèces sentinelles pour le lagopède et quelques autres espèces. C'est en fait une espèce qui va nous donner une indication sur le milieu naturel. C'est une espèce qui va nous permettre, lorsqu'elle va avoir une variation, elle va nous indiquer qu'il se passe quelque chose dans le milieu. Ça peut être lié au réchauffement climatique, ça peut être lié à un souci de nourriture, un changement d'habitat, mais elle nous donne une indication. C'est pour ça qu'on l'appelle sentinelle. Alors c'est un peu tôt pour le dire, parce que les stations, enfin les remontées mécaniques ont fermé il y a quelques semaines. Il y a quelques dispositifs qui ont été déployés rapidement, du coup, notamment sur la station de Flaine, également un peu aux Deux-Alpes. Il semblerait que les premiers résultats sur Flaine donnent une indication que les oiseaux se répartissent un peu mieux, du coup, sur tout le domaine skiable, alors qu'avant, ils avaient un petit peu tendance à se réfugier sur certains points. Maintenant, c'est des résultats vraiment préliminaires. Il faudrait avoir un suivi sur un plus long terme et sur un plus grand nombre de sites pour en tirer des conclusions vraiment définitives. Alors, pour le lagopède, globalement, ce qu'on observe, c'est que on a une diminution de l'aire de répartition dans la partie sud des Alpes, où ça se réchauffe pas mal, notamment le Mercantour, c'est les régions de Digne, etc., tous ces secteurs-là. On a sans doute également une diminution de l'aire de répartition sur les préalpes, ce qu'on appelle les préalpes, par exemple le Vercors, où là, on remarque que la tendance d'évolution des effectifs est plutôt à la baisse. Ensuite, on a d'autres secteurs où on a une relative stabilité, certains secteurs de Haute-Savoie, de Savoie, etc. Et puis, relativement une baisse globale des populations sur les 20 dernières années, quoi. Alors, c'est une espèce qui est toujours chassée en France. Chaque année au printemps, on compte les oiseaux, le nombre de mâles chanteurs. Ensuite, l'été, sur un certain nombre de sites de référence, il y a également des comptages qui sont faits aux chiens d'arrêt pour connaître le nombre de poussins par poule. Ça nous permet de calculer un indice de reproduction de l'espèce sur les Alpes par grand massif. Et à partir de là, si l'indice de reproduction est très bon, quelques oiseaux sont attribués dans chaque département. Et si l'indice de reproduction n'est pas très bon, qu'il soit moyen ou mauvais, à ce moment-là, la chasse est fermée. Le piège auto, il va détecter le mouvement. Donc à chaque fois qu'il va repérer entre guillemets de façon électronique un mouvement, il va déclencher. Et donc l'avantage, c'est que même la nuit, c'est un flash invisible et qui va faire des images très discrètes, pas forcément très très belles en termes de qualité, mais qui ont l'information qui va nous intéresser. On ne peut pas être là en permanence et là, le piège, il est là tout le temps. Il nous permet d'observer des choses qu'on voit, n'a pas l'habitude de voir. Et tous les animaux qui sont difficiles à voir, qui circulent que la nuit. On va essayer de les positionner pour avoir une information optimale. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste les mettre
à hauteur d'homme en travers, parce que déjà les animaux ils peuvent passer relativement vite, donc si on ne les met pas un petit peu de biais, on va voir passer une tache, donc notamment surtout la nuit, donc on aura du mal à identifier l'espèce. Donc on va essayer de les décaler. Alors les décaler, bah, ça va être de les mettre légèrement en hauteur, pas à 90 mais plutôt de biais. Donc les positionner un petit peu en hauteur dans des arbres, ça va nous donner une meilleure information. En plus, c'est plus discret. On a déployé un certain nombre de pièges photos pour avoir une densité d'informations qui soit plus importante que dans plein d'endroits. On accumule beaucoup, beaucoup de données et c'est très complémentaire. En fait, il y a les deux approches qui sont très intéressantes, c'est-à-dire qu'on a le travail de terrain, de connaissances minimales des données, des espèces, etc. Et on va compléter ces connaissances de terrain par un volet plus scientifique, plus technique, avec des outils modernes. Quand on veut constater l'état de la nature, on a besoin d'avoir des chiffres, donc on a besoin d'estimateurs. Le piège photo va permettre à l'avenir d'être dans ce niveau d'évaluation. Donc ça, c'est très très important pour le parc national, d'avoir des éléments scientifiques objectifs. Alors les pièges photographiques qu'on utilise aujourd'hui, en fait, ce n'est pas simplement des gadgets, c'est des outils qui vont nous permettre d'alimenter nos bases de données et de suivre des espèces toutes particulières qu'on ne peut pas forcément observer tout simplement avec une paire de jumelles, de par leur discrétion ou leur rareté, par exemple. Alors pour poser un piège photographique, on a bien sûr des contraintes juridiques puisqu'il va falloir qu'on fasse attention aux endroits où on va disposer les pièges. Donc les lieux publics en sont proscrits puisque c'est interdit. Et il va falloir faire attention à ne pas atteindre en fait la vie privée des gens. Donc l'objectif n'est pas de le poser là où beaucoup de personnes vont passer, par exemple. Par rapport à la contrainte un peu plus technique, on va dire, les pièges photos, en fait, on va devoir les disposer de manière à être le plus efficace possible. C'est-à-dire qu'en fait, les animaux utilise des passages et il va falloir essayer d'orienter le piège de la manière la plus logique pour voir arriver ou voir passer les animaux. C'est-à-dire, on va les incliner légèrement pour qu'on puisse être plutôt dans l'axe des sentiers plutôt qu'à la perpendiculaire des sentiers, par exemple. On va aussi prendre en compte le milieu dans lequel on est. Si on est sur un milieu forestier qui potentiellement peut avoir du mouvement naturellement avec les branches, puisqu'en fait, un piège photo est équipé d'un capteur qui va permettre de détecter les mouvements et qui va se déclencher justement au moment où il va y avoir un mouvement. Donc il va falloir faire attention à toutes ces contraintes, puisqu'en fait on peut vite rapidement saturer une carte mémoire avec simplement une branche qui va constamment passer devant l'objectif du piège photo. Alors on va surveiller différentes espèces. Dans un premier temps, les grands prédateurs, puisqu'en fait, pour nous, c'est un moyen très, très pratique de pouvoir faire des séquences en fait, de grands prédateurs. Donc, en oisons, ça va être principalement par rapport au loup. Et ça va nous permettre en fait, d'avoir parfois plusieurs individus sur une même séquence. Et par conséquent, bah, de nous montrer en fait, qu'on va avoir au moins trois loups sur un certain territoire. Donc, ça va nous permettre un estimatif, enfin, d'estimer, pardon, l'effectif minimum qu'on va retrouver sur un territoire. Après, pour d'autres espèces comme le lynx, par exemple, on va même aller plus loin puisque ça permet un suivi individualisé des animaux. Tout simplement parce que les lynx ont des taches noires sur leur pelage qui sont pour eux des cartes d'identité. Et par conséquent, un peu pouvoir calculer le domaine en fait utilisé par cet animal-là. Il se fait la même chose aussi dans les Pyrénées avec l'ours, et ça permet, voilà, exactement de la même manière de déterminer le territoire des animaux et parfois bah, de nous donner une idée aussi de la densité des animaux sur certains lieux. Ça va être principalement le suivi des traces et des différents indices de présence qu'on peut trouver en fonction des animaux. En hiver, ça va être beaucoup plus facile pour nous, puisqu'en fait, on va pouvoir lire les empreintes dans la neige de ces animaux-là. Mais on ne va pas se fier uniquement aux empreintes, puisque si je prends l'exemple de l'écureuil, on va retrouver des pommes de pin, par exemple, qui sont rongées. Donc pour des espèces plus rares à identifier,
on a des indices comme cela. Je pense à la loutre avec les épreintes de loutre. Voilà, on a tout un tas d'indices qui nous orientent en fait sur la présence de ces espèces. Alors, grâce à un piège photographique, on a pu en fait confirmer l'arrivée d'une nouvelle espèce de mammifère, ce qui est assez peu courant de nos jours, puisqu'en fait en 2017, on s'est rendu compte dans la plaine du Bourg-d'Oisans de l'éventuelle présence de la loutre qu'on avait détectée justement. On parlait des autres indices qui nous permettaient de voir des espèces plus discrètes. On avait réussi à trouver des épreintes de loutre qui sont en fait les excréments remplis d'ossements, en fait d'arêtes de poissons. Et en disposant des pièges photos, ben, on a pu faire une image justement de cette loutre, donc une image furtive, mais qui nous permet de conclure de manière certaine que l'espèce est bien présente, et ça reste le meilleur des témoignages pour nous pour valider une observation. Après, on a de plus en plus de particuliers qui vont les utiliser. Certains vont filmer leur compost, par exemple, certains leur jardin. Et effectivement, on a des observations un peu insolites où, par exemple, on a un particulier qui nous a fait passer une image en fait d'un merle totalement albinos qui était blanc. Et pour nous, c'est des observations qui sont assez originales et qu'on va diffuser justement sur le site du parc, par exemple, pour montrer un petit peu cette particularité au grand public.